Regardez n'importe quel late night talk show américain. Regardez à quel point ces orateurs que vous écoutez font des gestes. En fait, ils sont à l'aise avec leur corps. Et c'est vrai que nous, on a un peu plus de mal, je dis nous, en France, de façon générale. On a beaucoup appris à écrire, on est de très bons auteurs, on est de très mauvais orateurs. C'est donc que le corps doit parler davantage. Et pour faire parler le corps, on a parlé de la posture hier, aujourd'hui, fin de première semaine, on va parler de ça, des mains, la gestuelle. Alors on n'est pas comme nos voisins italiens, on ne fait peut-être pas autant de gestes, mais quand même, la gestuelle est importante puisqu'elle va d'une part aider à visualiser le discours. Des études ont montré qu'une personne éloquente est une personne qui fait plus de gestes que la moyenne. Elle va aider aussi à donner des informations supplémentaires au discours parlé. On reste en contact, ça veut dire qu'on restera en contact par téléphone, ce que le discours ne disait pas. Et puis, les gestes vont aussi aider à développer votre prosodie. Quelqu'un qui fait beaucoup de gestes est quelqu'un qui, en général, fait beaucoup d'intonation lorsqu'il ou elle s'exprime. La gestuelle, c'est donc au fond plusieurs types de gestes. Vous avez des typologies de gestes qui existent, de gestes co-verbaux qui accompagnent la parole. Certains gestes à éviter, les gestes parasites, où on se touche le visage, les mains, on se savonne un peu le corps. Et faisant cela, on crée des alternatives d'écoute. Le public se concentre sur ce que vous faites et moins sur ce que vous dites. Ça, on évite. Vous avez des gestes battements, les gestes qu'on fait le plus souvent, circulaires, avec deux mains, avec une main, avec un doigt, avec deux doigts, pour dynamiser le propos. Des ictiques d'autorité qu'on nous a appris tout petit à ne pas faire. On désigne pas du doigt, non, fais pas ça. Par contre, on peut interagir, montrer de la main une personne pour interagir avec elle ou la mettre en avant. Des gestes plus rares mais qui montrent une vraie aisance sur scène, métaphorique, vous représentez une idée avec votre corps en disant par exemple que je voulais exprimer avec beaucoup de précision ce point, vous voyez l'idée de la précision qui est exprimée par ce geste, ou des gestes iconiques, et là vous mimez clairement l'action dont vous parlez. J'envoie pas mal de messages en ce moment à des amis. Vous voyez, ça peut être un peu forcé, mais l'idée c'est de donner du visuel, de montrer que vous êtes à l'aise avec votre corps quand vous parlez. Et puis la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, les gestes emblématiques. Vous n'avez plus besoin de mots pour être compris. Ce clin d'œil, ce pouce levé, ce oui de la tête ou ce non, il montre qu'il y a une telle connivence entre vous et moi qu'il n'y a plus besoin de parler pour se comprendre. Ces gestes montrent que vous êtes très à l'aise et rassurent d'étendre le public et vous permettent d'asseoir encore plus l'impact que vous avez dans vos prises de parole en public. Cette typologie de gestes, elle n'est pas à connaître par cœur, mais on va voir demain qu'elle est très utile pour éviter de tomber dans certains écueils qui vont vous rappeler des souvenirs douloureux, délicats. On se revoit demain pour la suite consacrée à la gestuelle et je veux que vous commenciez à réaliser quels sont chez vous les gestes les plus présents, battements, iconiques, métaphoriques, déictiques, d'interactions, parasites. Bref, regardez un peu vos gestes, regardez les gestes autour de vous et vous commencerez à développer le sens d'une gestuelle impactante.